Mesdames et messieurs, bonjour. Nous interrompons tout de suite nos programmes pour retrouver en direct la conférence de presse de Roselyne Gros-Bobo, ministre pandémique en catastrophisme médical. Je suis facétieuse. J'adore dire des blagues. Mais non, c'est un masque d'Halloween. Personne ne meurt de la grippe. Mais oui, personne ne l'attrape, cette maudite grippe. Alors après, moi, je me retrouve avec des tonnes de vaccins sur les bras. Mais je ne sais pas, faites un effort. Portez des masques, au moins. Je mourrai dans la rue. Je suis la grande faucheuse. Oh, ça fait de bien de rire, parfois. Je vous en supplie, faites-vous vacciner. Ce vaccin est sans danger, mon adjuvant. Non, mais tous les médecins vous le diront. Si, si, vous le diront. Eh bien, dites-leur. Bon, allez, donnez-moi ça, on va pas y passer minuit à 14h. Voilà. Vous avez vu, il ne se passe rien. C'est une blague d'Halloween, je suis un peu coquine. Particuliers ayant des responsabilités ministérielles dans le domaine de la santé cèdent à prix cassé grosses quantités de Tamiflu et de vaccins contre la grippe. Ah oh, oh, c'est bon de rire parfois. Stock ayant peu ou pas du tout servi. Ah oui, oui, j'en ai quand même 94 millions de doses sur les bras. Valeur du lot, 1,5 milliard d'euros. Prix à débattre. Mais je pourrais vous faire un super prix, parce que c'est déjà payé par le contribuable. Dites-moi, on est toujours en niveau d'alerte 5A. Oui, bien, je me suis demandé si au stade 6, on ne devrait pas imposer la burqa à tout le monde. We'll be right back.